auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Paul Vanté d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci encore une fois de plus, Seigneur, parce que tu nous as gardé, tu nous as protégés. Seigneur, aujourd'hui, nous avons le privilège, nous avons l'opportunité de partager, de présenter ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, d'illuminer notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous qui n'avez pas encore abonné, à partir de maintenant, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. Donc, aidez-moi à faire ce travail, à partager l'évangile. Aidez-moi, n'est-ce pas, à faire connaître le message, le grand message de Jésus-Christ, qui est l'évangile. Des commentaires, je vous remercie. Et vous qui avez abonné aussi, je vous remercie. Continuez, n'est-ce pas, à m'aider à partager l'évangile dans les réseaux sociaux, ou bien sur les réseaux sociaux, en quelque sorte, sur Facebook, dans tous les groupes. Aidez-moi à faire ce travail. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions le livre des Proverbes. Samedi et dimanche, venez louer et adorer avec nous. Et nous avons aussi des lectures sur le livre, dans le livre des Proverbes le mardi et le jeudi. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'élection. Béni soit l'Éternel. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'élection. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, c'est Dieu qui ajoute à l'église. C'est Dieu qui ajoute à l'église. L'église à parler là, c'est l'église universelle. Bien entendu, ce n'est pas l'église locale. Ce n'est pas l'église pasteur X, pasteur Y, pasteur Z. C'est l'église universelle. C'est Dieu qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. C'est par l'assistance de cet esprit que l'église progresse. Pour l'église capable de progresser, n'est-ce pas? C'est par l'assistance de cet esprit. Donc, nous voyons clairement que Dieu est souverain. Bon Dieu, grand monde. Que Dieu est souverain dans l'établissement et l'expansion de l'église. L'église pas pour le monde. L'église c'est pour, l'église c'est pour bon Dieu lié. C'est pour Jésus-Christ lié. Ok? Donc nous voyons clairement que Dieu est souverain dans l'établissement et l'expansion de l'église. Donc, mais n'est-ce pas l'homme qui décide d'entrer ou non dans l'église? Question. Entrer ou bien non dans l'église. Donc, comment réconcilier la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme? Comment réconcilier la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire bon Dieu grand monde. Comment réconcilier la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme? Comment capable réconcilier des bagages? Et c'est ça qu'on va répondre dans l'étude noire. Donc, Dieu invite l'homme à faire un choix. Et ça fait un petit peu maintenant l'élection. Depuis l'élection, on a fait le choix. Donc, Dieu invite l'homme à faire son choix. Est-ce que bon Dieu invite l'homme pour faire un choix? Dieu invite l'homme à faire un choix? On a regardé, est-ce que bon Dieu invite l'homme pour l'homme faire un choix? Parce que bon Dieu crée l'homme avec sa relève, le libre habite. Le libre habite, bon Dieu s'est offert le salut. Il a offert le salut. Il n'a pas exigé, mais l'offrir. Les gens qui veulent le prendre, les gens qui ne veulent pas le ou pas prendre. C'est offrir l'offrir parce que l'homme est libre habite. Les gens qui veulent le prendre, les gens qui ne veulent pas le ou pas prendre. C'est offrir l'offrir parce que l'homme est libre habite. Il y a possibilité pour l'accepter, il y a possibilité pour ne pas accepter. Mais on peut dire là maintenant l'élection. Si on peut dire l'élection, mais il y a des gens qui sont élus. Qui sont tous élus. Il y a des gens, bon Dieu, tout choisir. Depuis la votre maman. Ça, c'est l'élection. Donc, Dieu invite-t-il l'homme à faire un choix? Regardons ensemble. Matthieu 11, verset 28. Regardons ensemble. Matthieu 11, verset 28. Donc, est-ce que bon Dieu invite l'homme pour l'homme faire un choix? Matthieu 11, verset 28. Il dit, qu'est-ce qu'il a parlé là? Jésus-Christ a parlé là. Il dit oui, depuis le verset 26. Il dit oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus-Christ a parlé là. Ok? Il a parlé avec papa là.
dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Avam, bonne toute bagaille. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Pas quelqu'un qui connaît petit là, c'est pas papa. Il dit personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Grâce mon, pas contre papa, c'est pas petit là. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ok, souvenez ça pour nous. C'est lui à qui le Fils veut le révéler. Mon qui bon Dieu veut petit là veut révéler avec. Petit là veut faire le connaître. Verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Ça, c'est un appel. Ok, l'appel là, il est lancé à tout le monde. Il est lancé à tout le monde. Mais appel là, il est lancé à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a répondu avec appel là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous tous qui fatigués, venez joindre moi. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Maintenant, ici, texte, on a cherché contexte. À l'époque, Jésus-Christ est venu. Nous connaissons peuple là, peuple Israël, n'est-ce pas, était dans l'esclavage, n'est-ce pas, en bas main au mer. Puisqu'il est dans l'esclavage, eh bien, il te prend texte ça dans le contexte physique, dans le contexte littéral. L'aide dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez-vous de du repos. Mais vous avez pensé, c'est un royaume terrestre. Jésus-Christ est venu établi. C'est pas vrai. C'est pas de bien ça. Parce qu'elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mais vous pensez plus que Romain va faire passer misère. Mais puisque Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donne du repos, vous pensez que le repos là, c'était un repos physique. C'est repos pour nous, ou même qui fatigué. Péché fini avec vous. Christ vous appelle maintenant. Ou même qui peut accepter Christ. Péché a rongé vous. Péché a fini avec vous. Péché rend nous sans force. Ou tellement a lutté avec le péché. Ou pas de force encore pour lutter. Mais Christ dit, viens joindre la bonne repos. C'est ça. Livre bon repos pour Namou. Namou fatigué. Christ voulait vous donner, n'est-ce pas, le repos. Yes. D'après texte, à côté de notre lia, eh bien, verset 28, il explique. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous donner du repos. Donc, Dieu invite-t-il. L'homme a fait un choix. Oui. Il dit, on vient joindre. Il dit, on vient joindre. Wow. Il dit, nous venons joindre. Wow. Regardons un autre texte, Marc 1, verset 14-15. Marc 1, 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Jésus alla dans la Galilée, ça l'a fait. L'a prêché l'évangile de Dieu. Qui ça t'a dit dans l'évangile? Il disait, le temps est accompli. Temps fini, temps accompli, temps fini. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. T'as dit, le royaume de Dieu est proche. Ok, repentez-nous, repentez-vous. Repentez-nous, repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Donc Dieu invite l'homme à faire un choix. Oui. Ou Dieu invite l'homme. Pour l'homme faire un choix. Malheureusement, comme nous l'avons vu dans l'étude 30, la nature pécheresse de l'homme rend sa volonté esclave du péché. Ok? La nature pécheresse de l'homme rend sa volonté esclave du péché. L'homme veut-il de lui-même faire le bon choix? Est-ce que l'homme lui-même? Est-ce que l'homme de lui-même lui veut faire bon choix? En regardez, est-ce que l'homme lui-même lui fait bon choix? Jean 5, verset 40 va répondre à cette question et vous allez voir si l'homme, n'est-ce pas, veut faire le bon choix. Jean 5, verset 40.
Nous lisons ainsi, il dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Jésus-Christ Kappa, il a dit, « Voilà la vie éternelle. » Jésus-Christ Kappa, il a dit, « Vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus-Christ Kappa, il est là. C'est la Bible qui rend témoignage de moi-même. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Les dieux comme ça n'ont pas voulu venir pour nier la vie éternelle. L'homme veut-il de lui-même faire le bon choix? D'après texte ça, non. L'homme ne veut pas faire le bon choix. Il ne veut pas le faire. Romains 3, verset 9, 11. L'homme ne veut pas faire le bon choix. Romains 3, 9, 11. Romains 3, verset 9, 11. On dit comme ça, il dit, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous sous l'empire du péché, nous sommes condamnés. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Maintenant, d'après Romains 3, verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Maintenant, il y a des gens qui amusent, qui prennent verset ça. Même lorsque les gens finissent de convertir, accepter Christ, les gens disent, pas de monde qui est juste. De façon, pour montrer comme si état péché, l'homme, même s'il était converti, accepter Christ, pas de monde qui est juste. Non, non. Texte ça, elle dit, il n'y a point de juste là, pas même un seul là. La parole de état péché, monde qui en Adam. La paix de état péché adamique là. L'accepter Jésus comme sauveur personnel, eh bien, ou justifié. La Bible, eh bien, ou justifié. La Bible, Jésus-Christ déclare au juste. L'homme dit Jésus-Christ déclare au juste. C'est comme si vous n'avez jamais dépêché. L'accepter Christ. C'est ça? Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a un qui prouve ça, pour le chita, pour le dire, pas qu'il y a un monde qui est juste. Béni soit l'Éternel. Pas qu'il y a un monde qui est juste. L'homme, veut-il de lui-même faire le bon choix? Nous allons répondre, non. L'homme ne veut pas faire le bon choix. Il ne veut pas le faire. D'après texte, il montre que l'homme ne veut pas faire le bon choix. Il ne veut pas le faire parce que péché, baril, empêcher pour faire le bon choix. Donc, l'homme a la responsabilité de faire le bon choix. L'homme a la responsabilité pour le faire l'élection. L'homme a la responsabilité pour le faire bon choix. Mais seuls les élus en ont la capacité. Vous voyez ce que ça dit? Il dit c'est seuls élus qui ont la capacité. Seul élu, parce qu'il nous dit quoi? Il est clair, moun kap sauvé, moun ki pral fè bon choix, bon Dieu kon tout. Pour qui ça? Parce que Dieu est omniscient. Bon Dieu te ki tan konnen moi-même. M'ap sauvé. Li te ki tan konnen m'pral partager l'évangile, li te ki tan konnen m'ap sauvé, li te ki tan konnen m'a fait partie de l'église. Il dit, mais seuls les élus. C'est seul le monde qui est élu qui a capacité. Mais tant que nous avons posé une question, on a dit, mais mon Dieu, c'est mon Dieu qui est méchant. Pour qui ça? Bon, c'est... Mais bien-aimé. Il est Dieu, lui connaît le monde qui a une volonté pour accepter. Il connaît le monde qui n'a pas une volonté pour accepter. Il connaît le monde qui n'a pas une volonté pour pas accepter. Mais ce n'est pas lui-même en soi qui fait X ou Y accepter ou non. Parce que moun nan créé avec le libre arbitre. Libre arbitre là fait que il est capable de prendre décision qu'il veut. Bon Dieu, c'est offrir salut à l'humanité. Le salut n'est pas son bagage qui offert à l'humanité. Il n'est pas exigé moun pour moun sauver. Il offre le salut. Si l'offre, ou qu'a décidé de prendre, ou qu'a décidé de pas prendre. Un pour exemple, si un maman fait un manger, le mettre sur la table,
Il y a 10 petites. Il dit tout le monde, mangez après petit, moi, viens manger. Si 9 petites, allez, yo prend plat puis yo mange, gen on ki di mwen pa manje. Yo prend plat puis yo mange, gen on ki di mwen pa manje. Ça que pas manger, ça qu'il pas manger, maman pas responsable. C'est pas maman qui fait le pas manger. Maman fait manger pour tout le monde manger. Mais mon petit qui dit pas manger. Il pas responsable. Il gen ça les libres habit. C'est ça que fait nous dit là, mais il dit, mais seuls les élus ont la capacité. C'est celle et qui a capacité pour faire bon choix. Est-ce que tous les hommes sont élus? Waouh. Est-ce que tout le monde est élu? On a regardé qui ça la Bible. Est-ce que tout le monde est élu? Matthieu 22, verset 14. Regardez ensemble, Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Est-ce que tous les hommes sont élus? Matthieu 22, verset 14. Nous lisons ainsi. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Attendez bien qui ça dit? Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Question. Est-ce que tous les hommes sont élus? Non. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a pile monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a pile monde, mais son petit crasse cap élu. Est-ce que tous les hommes sont élus? Non, tout le monde pas élu. Si Dieu sait qu'il y a peu d'élus, ok? Si bon Dieu connaît, n'est-ce pas qu'on petit crasse élu? Un petit crasse élu. Est-ce simplement parce qu'il connaît l'avenir ou est-ce parce qu'il en a décidé ainsi? Nous allons regarder qui ça la Bible dit sur ça, parce que nous avons maintenant l'élection. Il dit, si bon Dieu connaît Gonti, Gonti crasse cap élu, il y a peu d'élus, Gonti crasse cap élu. Il compte ça. Il dit, est-ce que c'est simplement parce qu'il connaît l'avenir, il connaît... Parce que est-ce que c'est simplement parce que bon Dieu omniscient, il connaît tout ça qui va venir, il connaît. Ou bien c'est parce que il décidé, il était décidé comme ça. Il décidé m'a sauvé un tel. Nous regarder qui ça la Bible dit. Éphésiens 1 verset 4 pour répondre à cette question. Si vous n'avez pas encore abonné, maintenant, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. C'est important. Abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir votre étude chaque semaine. Éphésiens 1, verset 4. Ok. Il dit, en lui. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en parlant de Jésus-Christ, lui ici est Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui ici, c'est en Jésus. Il dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la fondation du monde. Avant le monde la formé, bon Dieu élu, non. Pour que nous soyons saints. Donc, saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 11-12. Il dit, en lui, Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Soit l'éternel, verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On va continuer. Romains 8, verset 28-30. Romains 8,
verset 28, 30. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jean 10, verset 26, 29. Jean 10, verset 26, 29, il dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi ça? Non pas quoi? Parce que non pas brebis mieux. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Brebis mieux, ça veut dire brebis ici repassé, croyant yo. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il entend des voix. Me connaît yo. Et yap suivent moi. Verset 28. Je les donne la vie éternelle. Ma baou la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Ma baou la vie éternelle. Et elles ne vont jamais périr. Et personne ne le ravira de ma main. Personne ne le ravira de ma main. Béni soit l'Éternel. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pas de grâce pour qui prend dans la main, papa. Question. Si Dieu, n'est-ce pas, sait qu'il y a peu d'élus, est-ce simplement parce qu'il connaît l'avenir ou parce qu'il en a décidé ainsi? D'après tout texte qu'on saute là, il aide à comprendre, d'après Jean 10, verset 26, 29, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, ils entendent des voix. Ils entendent des voix, et me connaissent. Et ils suivent moi. Béni soit l'Éternel. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Pas de monde qui capterait dans même. Mon Père qui me les a donné, papa me dit, bon, moi, il est plus grand que toi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est là. Donc, il montre là, c'est clair. Il montre que il y a capacité, pouvoir, puissance pour sauver nous. Il y a capacité, pouvoir, puissance pour sauver nous. Maintenant, omniscience, il y a tant qu'on est monde qui peut accepter choix. Monde qui peut faire le bon choix. Il y a tant qu'on ça, mais c'est pas lui même qui est responsable qui fait monde pas faire bon choix. Parce qu'il crée monde avec lui habite. Yes. Il compte ça. Donc, en plus d'avoir écrit à l'avance notre destinée, ouais, il écrit à l'avance notre destinée, Dieu intervient-il au moment de la conversion? Est-ce que bon Dieu, n'est-ce pas, lui intervient au moment de la conversion? Regardons ensemble Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Il dit nul ne peut venir à moi. Jésus qui parle là. Jésus lui répondit, ne m'y pas. Grâce pour ne pas joindre moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, il dit pas les monde qui arrive joindre moi. Si papa qui veut m'en pas attirer, il m'a précisé au dernier jour. Si je sais quand même. La question, Dieu intervient-il au moment de la conversion? Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si papa qui veut même pas attirer. Pas de monde qui a vu si papa ne veut pas attirer. Question c'est que ça. Bon Dieu intervient au moment de la conversion? Oui. Il intervient.
Donc, si nous pouvions, par nous-mêmes, faire le bon choix, si nous pouvons pas nous-mêmes faire le bon choix, nous pourrions nous en glorifier. Si nous pouvions pas nous-mêmes faire le bon choix, nous pourrions, n'est-ce pas, nous en glorifier, et le salut ne serait pas une pure grâce. Si pas nous-mêmes nous sommes capables de faire bon choix réellement, eh bien, ça le dit. Il dit, nous sommes capables, nous pourrions nous en glorifier. Nous sommes capables de glorifier tête nous. Et salut, le salut ne serait pas une pure grâce. Salut, pas d'appuyant pur, une grâce qui pure. Oui. Les élus ont un jour fait le bon choix. Les élus ont un jour fait le bon choix. Élus, les gens qui sont élus, ils ont fait le bon choix un jour. Mais c'est Dieu qui les en a rendus. Dieu qui les en a rendus capables. Vous savez qui ça veut dire? C'est bon Dieu qui rend les capables. C'est Dieu qui les a rendus capables de faire le bon choix. Waouh. Question. Dieu est-il injuste en ne choisissant pas tous les hommes? Est-ce que mon Dieu est injuste pendant qu'il n'a pas choisi tout le monde? En regardant qui ça, la Bible dit. Disons ensemble Romains 9, verset 14, 23. Dieu est-il injuste en ne choisissant pas tous les hommes? Romains 9, verset 14, 23. Romains 9. Verset 14. 23. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Pour la poser question là. Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Il dit, loin de là. Moïse. Ouais, bon Dieu t'a dit Moïse. Il dit, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Ça veut dire, ma fait miséricorde, à moun ma fait miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Béni soit l'Éternel. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il soit l'Éternel, parce qu'on sauve le Seigneur. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Il soit l'Éternel. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon. L'Écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à mon livre et il fait que mon livre vindi. Bon Dieu fait ça. Il a fait ça. Il dit verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pour qui sont femmes comme ça? Pour qui ça c'est qu'on sont femmes? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Est-ce que potier, c'est lui qui fait argile? Est-ce que c'est pas lui qui met argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Verset 22. Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire.
Dieu est-il injuste en ne choisissant pas tous les hommes? D'après le texte, nous là. Il n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Il est lui qui est en connaît, passé ou lui qui est en connaît, avenir ou lui qui est en connaît, qui est sur le venir. Tout le monde qui ne peut pas convertir, bon Dieu connaît. Tout le monde qui ne peut pas accepter, lui connaît. Lui connaît parce que lui est omniscient. Il dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ça, oui. Dieu nous, ouais, dit pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus, n'est-ce pas, mourir à notre place pour avoir la vie éternelle. Ou même, cap coûté étude ça. Qui peut qu'on fait la paix avec Christ? D'encourager, fais ça. Pas mourir sans Christ. Pas mourir sans Jésus. Il est important maintenant de faire la paix. De faire la paix avec Christ. D'accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Donc, je dis, dans la petite ensemble avec vous, l'élection. Donc, nous souhaitons ensemble. Ensemble, nous souhaitons, d'après la Bible, nous souhaitons, Dieu sait qu'il y a peu d'élus. Il connaît ça. Mais il dit, est-ce parce qu'il connaît l'avenir ou parce qu'il a décidé ainsi? Nous sommes capables de comprendre ça. Il connaît l'avenir. Mais il montre, bon Dieu est capable de décider. Pour qui ça? Parce qu'il connaît le monde qui prend le cœur. Il connaît le monde qui fait bon choix. Il connaît le monde qui fait mauvais choix. Parce qu'il est omniscient. Il est capable. Et ça qui fait tout, c'est Dieu. Parce que possède les attributs divins. Il est omniscient. Il compte toute bagaille. Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il est connaît qui comportement qui tel monde va l'afficher. Il est connaît tel monde pas accepter. Il est connaît tel monde a accepter. Ça qui a accepté, il est d'avance parce qu'il est lieu parce qu'il est connaît monde ça a accepté. Mais ce n'est pas lui-même, c'est Mouna qui prend la décision. Parce que l'homme crée avec l'élu habite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Faites des commentaires si vous n'avez pas encore abonné. Je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Merci pour votre compréhension. Faites des commentaires. Okay? Si vous avez une question, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à m'envoyer, n'est-ce pas, votre question. Je vous réponds, n'est-ce pas, dans les études. Merci. Vous qui m'écoutez à travers le monde, je vous remercie. Continuez à partager mes études. Parce que notre mission, notre objectif, c'est de partager l'Évangile. Pour faire connaître le message de Jésus-Christ. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.